L'employé de banque. Bonjour monsieur, puis-je vous aider? Marion. Oui, je voudrais clôturer un compte et ouvrir un autre compte personnel international d'affaires, s'il vous plaît. L'employé de banque. Donnez-moi votre carte d'identité. J'ai besoin de vos données personnelles. Marion. Malheureusement, je n'ai pas ma carte d'identité. Puis-je vous donner mon passeport? L'employé de banque. Bien sûr. Voyons. Le compte que vous voulez clôturer est à zéro. Pour le clôturer, vous devez remplir ce formulaire type auquel il faut attacher une copie de la pièce d'identité. Je vais la faire immédiatement. Marion. Oh, merci. De toute façon, je n'avais aucune copie. L'employé de banque. C'est bien. Voyons maintenant le compte que vous désirez ouvrir. Voulez-vous qu'il soit en euros ou en dollars? Marion. En euros, s'il vous plaît. Je veux aussi déposer de l'argent. L'employé de banque. Quel est le montant que vous désirez déposer? Marion. 5 000 euros. L'employé de banque. Pour déposer ce montant, vous devez payer une taxe de 50 euros, c'est-à-dire 1% du montant déposé. Marion, quel est l'intérêt de ce compte? L'employé de banque. L'intérêt du compte que vous voulez ouvrir est de 4,5% par mois. Marion, oui, c'est assez convenable. L'employé de banque. Oui, c'est l'un des plus convenables, mais il ne peut être utilisé que par les gens d'affaires et les personnes morales. Vous recevrez le relevé du compte mensuel à l'adresse donnée. Marion. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. L'employé de banque. Merci à vous. Au revoir.